Voici la pose d'un film dépoli, transparent, qu'on fait sur une cloison d'un centre culturel, le centre culturel Le Comte de Lille à Saint-Paul, île de la Réunion. Il y avait donc quatre grandes baies vitrées en verre clair, donc totalement transparent. Le but du jeu, c'était d'avoir une cloison de séparation, laisser rentrer un maximum de lumière et avoir une totale discrétion des personnes qui travaillent derrière cette cloison. Là, on voit le poseur, donc la société Protect Solaris, est en train de faire une pose de film, de ce type de film, à La Réunion, donc voilà. Et donc, on voit bien, on devine bien le poseur qui est derrière le vitrage, mais on ne voit pas qui c'est. On sait pas, on devine à peine que c'est un homme ou une femme, mais on ne voit pas trop, on ne voit pas sous son visage. Voilà, donc une totale discrétion et un maximum de lumière. Pour respecter l'imposte qui n'a pas été équipée, les films sont calés pile poil à la hauteur donc de l'imposte là-haut. Hop là, on va faire un petit agrandissement pour voir ce que ça donne. Si j'y arrive, si je gagne ça, ben, je ne suis pas encore doué. Bon, alors, voilà, on va y arriver. Voilà, vous voyez, tout au même niveau. Super. Voilà, donc ici on a bien accès privé et on ne voit pas du tout ce qu'il y a derrière le vitrage. Cette vitre ici à droite n'est pas encore équipée. Bien entendu, on plonge dans l'intégralité des locaux. Et qu'est-ce qu'il me fait lui ?